Je m'appelle Élie Mouyal, architecte à Marrakech et ami de l'association Almounia. Ah, c'est bon. Ce colloque est consacré pour la partie culturelle à l'architecture de la Médina, à l'urbanisme de la Médina. C'est le thème principal. Et nous accueillons Serge Santelli, qui a travaillé une quarantaine d'années sur les médinas du monde arabe. Et donc, nous essayons à travers ce colloque et les invités prestigieux qui viennent d'un peu partout autour de la Méditerranée, de faire un bilan étape sur la recherche et la réflexion sur les médinas anciennes. Pourquoi ce moment ? Ma propre participation à ce colloque, c'est de montrer combien la Médina a contribué à la formation d'architectes et d'architecture très importante. C'est un patrimoine non seulement matériel qu'il faut conserver, mais c'est surtout un patrimoine immatériel dont il faut tirer toutes les leçons pour pouvoir construire demain des villes plus harmonieuses, des quartiers vivables et des maisons agréables à vivre. Et tout ça, c'est dans la Médina qu'on le trouve.